barbare. Du calme, Nordien. T'as entendu parler de la brigade Briette? Elle était composée de ceux de ton espèce, les non-humains. Essaye, Andra, net me care. Mais qu'est-ce que... Vous allez le regretter. Thank you.
Amon se retrouve. Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose ? Pour vous, c'est moitié prix. Voyons ce que vous avez en magasin. Au revoir. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. T'as entendu parler de la brigade Briette? Elle était composée de ceux dont l'espace. Il chassait les gens, il posait des questions. Comme il s'est pas laissé faire. Schlack! Ils lui ont coupé la tête. Oui, j'ai entendu ça. Sauf que c'était un noyeur. Oui? Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Tu veux de l'aide? Pour cueillir des herbes dans les champs? Non merci, je vais me débrouiller seul.
Y a quelqu'un ? Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Missla vient de partir. Vous êtes Mislav ? Chut ! Vous avez entendu ? Des loups ? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups ? Ça m'étonnerait. Mais c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi ? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger, mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais, ils ont appris beaucoup de choses des humains, en particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon ? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village ? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème ? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades, mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Trop tard, ils ont encore frappé.
compte me faire languir longtemps. J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais, mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non! C'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, Dieter nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé. Et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire et le domaine est tombé en ruine. Voilà, vous savez tout. Je suis désolé. Bon, c'est l'histoire ancienne. Venez, je vais vous montrer où j'ai trouvé les Nilfgaardiens. Que savez-vous sur le griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserais. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Il y avait un corps là-bas, près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. On ne va pas pleurer pour des Nilfgaardiens. C'était des hommes. C'est juste qu'ils portaient une armure noire. Bonne chasse. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang.
Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Qu'est-ce que tu veux? Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi l'évidence. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidon, c'est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui. La pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. L'hirondelle peut enrayer les hémorragies internes, mais... Mais ? Les potions de sorceleurs ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible. Grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région ? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Saar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe?
Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Oui? Parlez-moi un peu de vous. Quelle est votre histoire? Oh, vous savez, c'est pas bien gai. Vous connaissez le temple de Melitel Delander? J'y suis allé un nombre incalculable de fois, oui. Pour me faire rafisteler par la mère Néneke. On a dû se croiser, alors. J'ai étudié auprès de mère Néneke pour devenir guérisseuse. J'avais 18 ans quand on m'y a admise. Un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir. Il y avait ce garçon, Goslav, qui travaillait torse nu. Les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains. C'est pour lui que j'ai quitté le temple. On a passé un été merveilleux. Et puis, il est parti. Néneke a refusé de me reprendre. Sans un mot, mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule. J'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix où me rendre utile. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Fin de l'histoire. Vous avez des herbes à vendre ? Je dois pouvoir vous trouver ça.